Bonjour à la maison, c'est encore moi Guiz. La célébration continue. Oui, je sais, il y a d'autres séries qui sont sorties, mais celle-ci, je l'adore et maintenant, il ne nous manque plus que 6 cartes. Je fais des 1, mais je veux dire 6. Si on regarde dans le cartable, hein, on se rappelle qu'on avait complété la première série de 25 cartes et, dans le dernier épisode de Célébration, on avait eu le Dark Gyarados qui est merveilleux. Il ne nous manque plus que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que la dernière carte, c'est Tapu-Lélé. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte. On en a déjà vu. On va regarder vite le contenu. Je rappelle qu'il y a des boosters de célébration, mais aussi des paquets de d'autres séries, ce qui en fait un produit quand même assez intéressant. Il y a aussi un livre avec les cartes. Bon, je suis trop zoomé. Des choses qui arrivent. Puis à l'intérieur, il y a les fameux boosters. Tout le reste, on l'a vu souvent. Vous irez voir les épisodes plus vieux si ça vous intéresse de voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est prendre tous nos boosters. Et c'est assez inconstant pour les 5 paquets qui viennent de d'autres séries. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Puis, ben, on a 10 paquets de célébration. On va regarder s'il y en a assez. Je suis certain YouTubers qui ont déjà eu 9 paquets. Inacceptable. Parce qu'il est supposé d'en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merveilleux. Et les paquets sont Chilling Rain, Vivid Voltage, Battlestar, Chilling Rain et Chilling Rain. Oh, 3 fois Chilling Rain. Vous savez que je suis pas chanceux avec cette série-là. Ça va peut-être changer aujourd'hui. Puis la dernière fois qu'on a ouvert un produit de célébration, on a eu 0 hit dans les paquets qui n'étaient pas des paquets de célébration. Est-ce que ce sera encore le cas? J'espère que non. Salut Ralts. Hein? 1, 2, 3, 4. Énergie. De type feu. Oh, j'étais sûr que c'était ça. Alors, on a des gants qui résistent au feu. Parce que c'est important. Sinon, tu te brûles quand tu vas chercher la pizza. Welcoming Lanterne. Un lapin dans la neige. Ralts. On a un Vénipède. Bound Sweet. La Trace. On a Blizzle. La Conviction de Karen. Et oh, on commence avec un hit. Ça, j'aime ça. Ça, c'est un bon épisode. Boom! Un Volcanion V. Pourquoi pas? Yes! Bon, Chilling Rain qui est clément avec nous, c'est nouveau ça. C'est très nouveau. Mais est-ce qu'il va être clément pour un seul paquet ou pour Clémence Desrochers? J'espère que ma maman écoute parce que c'est la seule qui pourrait comprendre cette blague. Alors, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. On fait 1, 2, 3, 4. Énergie de type coup de poing dans la face, c'est pas ça. On avance les cartes, un phoque de cristal, Pyronia, Whirlipede, Delibird, Larvesta, Mareep, on a Heracross, le Clobopus, on a des gants de justification et un Zangoose, on revient au standard de Chilling Rain. Et on a un troisième paquet pour voir, hein, c'est 1-1 entre les bons et les pas bons. Qui va gagner? Écrivez donc dans les commentaires avant d'avoir regardé, je sais pas. C'est qui gagne? Les bons ou les pas bons? Parce que c'est important de faire des paris sur le bien et le mal. Je dis n'importe quoi. Je veux dire une énergie de type... encore coup de poing. Yes! Yes! Je savais que le coup de poing s'en venait. On a un vieux cimetière. On a l'énergie du club de foot de Montréal. On a Porygon 2. Vénipède. Ralts. On a Bound Sweet. Un Lapras. Blizzle. Un Gengar Reverse, très belle carte. Et absolument rien, le mal l'emporte. Bon, on est encore en train de manger les petits hors devant, vous le savez, on ouvre les paquets qui sont un peu moins intéressants et on finit avec les paquets de la célébration, la vraie fête. On ne peut pas les ouvrir avant que tous les invités soient arrivés. Et là, on est dans un paquet de Battle Styles. Battle Styles, on en a ouvert un peu moins. Il y a beaucoup de cartes intéressantes. J'aimerais ça avoir, entre autres, le Tyranitar très sympathique. J'ai oublié de dire mon énergie avant. On va dire que c'est encore un coup de poil en face, parce que c'est celui que j'avais dit avant, donc je suis encore pogné dessus. On a Swordward et Shieldbear, Fearow, Carvinivine, Spearow, Zubat, Cubone, Frillish, Blipbug, Cubone et un Pokémon de type Obélix.
Il nous reste un dernier paquet avant la fête. C'est le paquet avec le Pikachu grassouillet. Regardez, on a un en background. Juste ici, regardez, s'il est beau. C'est une belle petite statue de lui. Oh, ils sont tellement cute. Mais là, peut-être qu'il se trouve une carte Chubby à l'intérieur du paquet Chubby. Ça serait excessivement méta. Donc, espérons-le. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le Pikachu grassouillet dans une boîte de célébration? Ça serait inespéré. On va y aller avec une énergie de type Hydro-Québec, d'électricité. C'est pour toi, Pikachu. T'as pas répondu à l'appel. Une girafe. Un Métang. Ah, parle-moi-en pas. Un Whopper Junior. Un Charmander. Taylor Swift. Woobat. On a le Clubopus. On a un Swallow. Et un Tornadus holographique. C'est le minimum pour que je sois pas fâché. Bon, c'est pas grave, on n'a pas eu beaucoup de hits, mais l'événement principal, le combat que vous attendiez tous, les paquets de célébration. Vous le savez, je viens de le dire, il nous manque 6 cartes. Je vais y aller encore d'une prédiction. Je dis qu'aujourd'hui, on va aller chercher 2 des 6 cartes qui nous manquent. Oui, j'ai dit ça la dernière fois, on a juste eu une, mais là, c'est encore plus difficile parce qu'il nous en manque juste 6. Donc, 2 sur 6 seront atteints aujourd'hui. C'est parti, c'est ma prédiction. Faites vos prédictions dans le chat avant de voir les cartes, sinon vous trichez. Bonjour, Richiram. Alors, on a un Palkia. Oh, un Cosmoem. Et on commence avec un Pikachu grassouillet. Hein? C'est peut-être un signe. Deuxième paquet, on a un Pikachu grassouillet, on peut dire que c'est un hit, mais quand on parle de hit dans cette collection-là, on parle des cartes alternatives. Salut Reshiram, il me semble que ça fait 2 fois que je te vois à soir. Alors on a Zekrom. Oh! Il s'agit d'une carte alternative, mais on l'a déjà, hein? On l'a eu dans l'épisode précédent, et on a un Zacian qui était comme « Je suis là, moi aussi, je suis là. » Mais moi, j'étais comme « Je sais que t'es là, mais on t'aime pas. » Bon, OK, on a des cartes alternatives. Du moins, on a une en 2 paquets. C'est des bonnes stats. Mais l'important, c'est pas de participer, mais bien de gagner. Sachez-le. Alors, Groudon. Je pourrais les tenir droite aussi. Hein. Cosmoem. Lugia. Et un Zacian. Mais coudonc, Zacian est comme, moi aussi, je suis vraiment au party, là. Parle de moi. Alors, Zacian est un Pokémon de type chose qui se trouve dans ma main. Voilà. Donc, on peut passer à autre chose. On ouvre un autre paquet alternatif. On veut alternatif. Parce que c'est important. On salue Palkia. On salue aussi Reshiram. Oh, Lugia, ça fait plusieurs fois que Lugia est en troisième position, puis on l'a eu. Là, on a la recherche du professeur, mais quel paquet oubliable! J'ai déjà oublié ce qu'il y avait dedans. Genre, il n'y avait rien. Vous vous souvenez du paquet qu'on a ouvert? Il me semble qu'il n'y avait rien. Il me semble que le paquet, c'était juste... Non, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. OK, Reshiram comme première carte, je t'en ai, là. On a compris, t'existes. Zekrom. Un Dialga. Oh! Et un Mew, mais pas le bon. Donc, on est super fâchés. Et ça va tellement vite, ces petits paquets-là. On est déjà à la moitié. Donc, il en reste juste 5. J'en ouvrirai toute la nuit. Mais bon. On salue Lugia. On a un Cosmog. Un Eve. Et un autre Pikachu grassouillet. Ben, coudonc. C'est un thème, hein? Au moins, on peut en donner aux enfants dans la rue. J'ai entendu sur Twitch que Giz donnait des cartes au monde dans la rue. Non, c'est une métaphore. Je donne rien à personne. On ouvre un autre paquet. Bon, salut Groudon. On a Kyogre. Oh! 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 Et on a un Luxray, c'est le fun, c'est une carte alternative, mais on l'a déjà. Et on a Lunala. Hey, on a 0 carte. J'avais fait une prédiction de 2. Je sais qu'il y a plein de monde qui m'ont trollé, qui ont écrit 0 en plus. Mais j'y crois, là, au moins 1. C'est 1. Salut Yves. Salut Cosmog.
Ah, un Reshiram! Quelle déception! Reshiram, il a vraiment gâché le party. Plus que deux paquets, ça nous prendrait un 2-en-2 ou un paquet erreur. Ça se peut un paquet erreur. Ça se peut. Ok, y a-tu quelqu'un qui veut des Reshiram? Pour vrai, là, je pourrais me faire une table de cuisine juste avec eux autres. Ça n'a aucun bon sens. On a Yves ici. Un Venusaur, c'est bien. On l'a déjà, mais c'est une carte agréable. Ça me dérange pas. Et on a un Pikachu qui fait du surf. Bon, on n'est pas gâté à date dans cette boîte-là. Hein? Dernier paquet pour éviter le balayage. J'aurais l'air complètement fou advenant le fait qu'on n'aurait rien. Salut, Xerneas. Come on. Cosmoem. Non, un Dialga. Et oh, on a un Surfing Pikachu VMAX, au moins. Ah, oh, ça a fait un petit bond sur mes plaies. Il est beau. Je l'aime. Alors, voici les faits saillants de cet épisode. On commence avec les cartes oubliables, les deux Acian V, le Tornadus Holo et le Volcanion V. Ensuite, on a un peu d'amour de Pikachu. Saluons toute cette grassouillance, deux grassouillets, un Surfing Pikachu VMAX et un Surfing Pikachu avant qu'il aille manger. Mais les vraies vedettes de cette série sont toujours les cartes alternatives. Et c'est quand même pas banal d'en avoir obtenu trois dans la même boîte. Here comes Team Rocket. On a un Luxray et évidemment ma préférée, un Venusaur, reprise du base set, les fameuses cartes qui ont bercé notre enfance. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Le cartable reste sur sa fin. On va encore ouvrir une autre boîte bientôt et on va espérer être un peu plus chanceux parce qu'il en manque encore 6. Ça sera pas facile. C'était laquelle votre préférée, vous? Hein? Est-ce que c'était Venusaur? Est-ce que c'était un Pikachu grassouillet? Écrivez ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un autre épisode. Allez, ciao!